Salut à toutes et à tous, c'est YouSuperCar. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau rassemblement. J'espère que la vidéo vous plaira. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager pour plus de vidéos. N'hésitez pas à faire de même pour le compte Instagram qui est YouSuperCar. N'hésitez pas à liker les photos, à vous abonner à mon compte Instagram. Vous pouvez me parler, etc. Je réponds sur Instagram. Voilà, donc nouvelle vidéo rassemblement, il y aura une vidéo car spotting et une vidéo en concession qui vont sortir bientôt dans les jours à venir, et moi je vous dis restez connectés, c'était YouSuperCar et à bientôt. Salut à tous, c'est YouSuperCar. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau rassemblement automobile. Donc c'est le deuxième rassemblement qui sortira sur la chaîne YouTube. Donc aujourd'hui il y a vraiment pas mal de véhicules qui sont vraiment, il y a des véhicules assez rares, etc. Donc il y a plus de véhicules que le dernier rassemblement précédent, Donc il y a vraiment pas mal de véhicules.
On peut par exemple commencer avec ce C63 AMG 510 chevaux, le même moteur que l'Alfa Romeo, le nom m'a échappé. Donc un petit par exemple, une petite C63 AMG à toujours M5 V10. Un beau petit bruit. Corvette, on l'avait déjà vu. Le premier rassemblement, pardon. Je promis entre plaisir. C'est parti à Craponie. Ici une Audi R8 V10 GT, une série limitée à seulement 333 exemplaires, donc vraiment très rare, assez rare même dans cette configuration. C'est la première fois que j'en vois une dans cette configuration avec ce orange. Très belle voiture. Il y a aussi un véhicule qui est vraiment pas mal. Je vais vous montrer ça. Une C63S AMG Break. Vous allez voir ça. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui il y a pas mal de véhicules. Donc ici, si je dis pas de bêtises, c'est un CLK 55 AMG. Donc V8 compresseur, si je dis pas de bêtises. Non, c'est une SL55 et non pas un SLK. Il y a la Corvette, la première génération, comme on pourrait dire. Une 370Z. Nismo, si je dis pas de bêtises. Oui, Nismo. Ici, on a un beau petit 63S AMG. On peut voir l'intérieur. Regardez ça. Vraiment pas mal. 510 chevaux si je dis pas de bêtises. On a la berline et on a la break. Un petit pick-up. Je ne connais pas du tout en pick-up. La taille des pneus, c'est hallucinant comment il est élevé aussi. J'aime pas trop l'avant. Regardez avec. J'aime pas trop l'avant de speaker. On peut continuer. Donc on a vu la R8. Il y a une Lamborghini. Attendez, je vais vous la montrer. Donc c'est 63S, vous l'avez vu. Regardez, une TT à côté d'une TTRS. Une Ferrari 430 est arrivée. Voilà.
ici la Lamborghini. On peut pas faire un plan comme ça. Il y a du soleil, donc on peut pas. Regardez. La Ferrari, elle est là. C63S qui s'en va. Donc on était sur la RS4, je vous parlais de la RS4. Audi RS4, Carrera 4S, une BM 1M, si je ne dis pas de bêtises, une 1M, la même que Akram avait. Si je retrouve la photo où Akram avait la 1M ou une photo à côté d'elle, je vous la mettrai. Donc BM, les M pour Motorsport. Compétition. Honnêtement, entre nous, je préfère plus l'avant de la Audi RS2 que je préfère plus l'avant que l'arrière. Parce que regardez là. Parce que, 310 km de vitesse en pointe sur le compteur de vitesse. Ouais, et puis deux potes.
pour les Camaro. Une petite Porsche, si j'ai pas de bêtises, 718. Boxster, non. Non, Carrera. Quel bruit! Quel bruit! Quelle sonorité! J'espère que vous m'entendez. Regardez cette forme. Si je ne dis pas de bêtises, il y a une C63 sur le parking. Donc une Panamera juste là-bas. Aujourd'hui on a de la chance parce que le soleil nous aide vachement bien. Quand il y a du soleil, il y a des belles voitures. Une C63 AMG. C63. C63 AMG à côté des dernières Alpines. Ça doit être une Clio 16 sous pas, si je dis pas de bêtises. Mais la C63 AMG est monstrueuse, en plus dans cette configuration. Feu teinté, tous les éléments, on les a fait prendre en noir. Rétroviseur noir, CD3 en noir. Calandre repeint en noir. Là on a un clan, on a un clan Abarth, et là on a une petite C63 AMG 6.3, 457 chevaux, donc vraiment une petite bête.
petite 458 Italia qui vient d'arriver. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager pour plus de vidéos. N'hésitez pas à faire de même pour le compte Instagram qui est YouSupercar, la même chose que la chaîne YouTube. Comme vous pouvez le savoir, en ce moment c'est les vacances, donc normalement il y aura une vidéo car spotting qui va arriver. Une vidéo car spotting, il y aura aussi une vidéo en concession, parce qu'il y a une voiture qui est pas mal en concession. Je vais aller la filmer peut-être. Et puis voilà, donc il y aura du car spotting et une vidéo en concession. Pour l'instant c'est ce qu'il y a de prévu. Normalement il doit y avoir 2-3 vidéos qui vont sortir, une vidéo nouveauté automobile comme au début sur la chaîne YouTube, qui va y aller dans la playlist News Automobile. Après normalement il y aura cette vidéo rassemblement automobile, et normalement il y aura une vidéo car spotting. Donc la vidéo car spotting elle arrive bientôt. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager pour que la chaîne soit connue. On est 11 abonnés, je vous remercie énormément, c'est déjà pas mal pour un début sur YouTube, c'est déjà pas mal. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. N'hésitez pas à faire de même pour le compte Instagram, n'hésitez pas à liker les photos, tous les véhicules que vous avez pu voir durant cette vidéo. Il y a les photos des véhicules sur YouTube. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à partager la chaîne. Voilà, je vous souhaite de très bonnes vacances, et puis restez connectés, restez à l'affût sur la chaîne. Je vous remercie beaucoup. Et à bientôt.